Eh bien bonjour à tous, c'est The Farmer. Je vous retrouve pour l'épisode 7 de notre carrière suivie sur la Meadow Grove Farm. Donc aujourd'hui, on va aller s'occuper des animaux. Donc on se retrouve avec le petit Universal 650 diesel. Donc là, on est juste à côté d'un petit lac. Voilà, donc je suis parti remplir l'eau. Simplement, je suis allé chercher. Parti chercher l'eau, pardon, donc on va enlever la petite citerne à l'arrière et on va aller donner ça aux vaches, tout simplement. Donc j'ai pris des vaches comme ça, des vaches noires et blanches, j'ai perdu le nom, j'ai honte. Je crois que c'est des blondes Aquitaine. Ok, donc petite coupure dans la vidéo, tout simplement parce que j'ai fait des recherches et je viens de m'apercevoir que c'est pas du tout des blondes Aquitaine, c'est des Primelstein, je crois, des Primelstein. Les Primolstein, voilà, donc j'ai fait des petites recherches sur Google, j'ai cherché vaches noires et blanches, non, etc. Enfin bref, ce sont des Primolstein, je suis vraiment désolé d'avoir raconté une connerie pareille. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vidéo. Après, ça se trouve, je raconte une grosse connerie, mais je crois que ce sont des blondes Aquitaine. Et du coup, j'ai 30, ouais, j'en ai bien 30. Voilà, donc j'ai pas mal de modes sympathiques à vous présenter. Voilà, du coup, non, ce que je vais faire, c'est que là-bas. Fermer le portail par contre. Donc les vaches sont un petit peu buggées. Donc là vous voyez à marche, mais vous allez voir que dès qu'on va s'éloigner, elles vont plus marcher tout simplement. Mais voilà, on va revenir ici par contre. Voilà. Du coup on va aller chercher 2-3 cuves. Par la même occasion, on va aller chercher 2-3 cuves d'eau. Puis après on va s'occuper de vraiment les nourrir. Donc, vous voyez là par exemple, elles ont buggé. Et puis dès qu'on s'en approche, hop, elles se déportent et puis elles bougent. Voilà, donc c'est un petit bug de la map. C'est rien de bien méchant, mais pff, bref. On fait comme si de rien n'était et puis c'est tout. Pourtant on les entend bien manger, enfin bref. Du coup on va aller chercher 2 ou 3 citernes, après on va aller s'occuper de nourrir normalement on va dire. Après vous voyez là, hop, on va s'en approcher. Ou alors ça fonctionne que quand on est à pied, ouais ça fonctionne que quand on est à pied. Ah non. Elle bouge encore. Ah bah nickel. Enfin pour l'instant et puis là, hop, elle est bloquée. C'est un petit bug marron je trouve. Après. Mais bon. Du coup, hop, on va d'ailleurs chercher une deuxième cuve d'eau. Voilà. Du coup, aujourd'hui, épisode vraiment spécial sur les animaux avec un super, avec un super tracteur. De toute façon, merde. Donc, c'est le tracteur que vous avez vu sur la ferme polonaise là, dans l'épisode de. Je sais plus combien. Dans l'épisode juste avant, donc dans la vidéo d'hier en quelque sorte. Voilà. Du coup, là, je passe pas directement dans la flotte parce que sinon, je sens que ça va mal se terminer. Et on y va avec les petites marches là. Donc si vous faites attention, vous voyez le petit saut là qui bouge. Attends, je vais essayer de rentrer un petit peu dedans histoire de. Voilà, vas-y baisse. Merde, cette touche là. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un petit saut et il bouge. Là vous voyez tout doucement. Voilà, il bouge tout doucement, mais vous allez voir que quand on va rouler, il va vraiment bouger un petit. Enfin, il va vraiment bouger, il est super bien foutu le tracteur. Vas-y, roule. Vous voyez, là le saut il bouge vraiment. Voilà, il bouge vraiment le saut, je sais pas si vous voyez vraiment bien, tu vois, c'est quand même un petit peu le sapin là pour l'odeur. C'est exactement le même truc, c'est que ça bouge, vraiment ce tracteur là il est magnifique. Si vous l'avez, jouez avec, écoutez. Hein. Oula. Jouez avec, j'ai envie de vous dire. Donc là, hop, on va tourner à droite, voilà, à droite, n'importe quoi. Oh j'ai honte, je me suis trompé avec la droite et la gauche. On va tourner à gauche plutôt. J'ai honte. Freine. Voilà, faire ça en 2 coups quand même, voilà. Ah bah bref, du coup, aïe, putain, alors, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à jouer, à rouler, pardon. Et voilà, on leur donne la flotte, donc techniquement, ouais bon, elles vont être à 4000, alors faut 24000 de mémoire, donc j'ai encore quelques trajets à faire, j'aurais genre 12 trajets à faire pour qu'elles soient, soient au maximum, quoi. Mais bon, alors, du coup, là, on va s'arrêter là pour la flotte, voilà, comme ça vous voyez ce que je vais faire pendant 3 ans. Mais le truc c'est que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Donc voilà, donc là on va juste fermer ici, voilà. Bon, il y a juste un truc que je vais pas pouvoir vous montrer parce que bon, en fait c'est un truc pour nettoyer. Voilà, c'est un espèce de balai pour nettoyer, mais bon. Je vais quand même vous le montrer au niveau du attaché sur le tracteur, quoi, ce que ça donne. Et comment ça fonctionne, mais même si bon, je vais pas vraiment pouvoir vous le montrer en action. Voilà. Après, donc là, techniquement... Ouais, donc il y a encore mon semoir qui est là. Faut que je sème quelques champs, d'ailleurs.
comment est-ce que je vais foutre ça? Parce que j'ai... Ouais non, j'allais dire parce que j'ai la paille à côté, mais j'ai pas forcément besoin de paille. Allez, on va faire une petite marche arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici. Techniquement, il y a un tracteur, hein. Il y a un case. Il y a le case, ouais. C'est bien ça. Ouais, bon, hop, on va se laisser comme ça. On va activer la mélangeuse. Bon, ne faites pas attention à la prise de force qui a littéralement planté. Enfin bref, du coup, hop, on va ouvrir le petit silo. Ouais, bon, il va ouvrir un petit peu celui qui est à côté aussi. Et on va démarrer le tracteur. Oula, pff, juste, je lève le chargeur, le bordel, il s'ouvre sur 70 km. Bon, hop. Du coup, je vide le petit silo d'abord. Plaît. Du coup, là, on va donner de la ration totale mélangée. Donc, merde, il va falloir que je mette deux bottes de foin d'abord. J'espère que ça passe avec ce... Techniquement, c'est censé passer avec ce godet, là, avec le... Moi, j'appelle ça un godet à fumier. Je sais pas comment ça s'appelle dans la vraie vie. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, je sais pas comment je vais sortir de la merde là. Je me suis foutu dans une merde de nouveau. J'ai vite de taper vraiment tout, bah, tout ce qui est sur le passage. Hein. Voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà, on va baisser. C'est bon, tourner avec un chargeur dans les airs, c'est pas la meilleure chose à faire. Les... Donc voilà, du coup, deux ballots de foin et le reste en ancillage de mémoire. Voilà. Le reste en ancillage, donc je vais donner deux rations totales mélangées. Puis après, bah, je vais redonner de l'ancillage tout court. Mais ça, j'ai un autre truc bah, pour vous montrer. Enfin, pour le faire, j'ai un autre truc à utiliser. Voilà, j'ai un espèce de godet spécial. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu, il est juste à côté des ballots, c'est le truc jaune. Plaît. Voilà. Je vais me servir de ça. En fait, c'est une décileuse en quelque sorte. Une décileuse que tu peux mettre à l'avant du chargeur. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Juste, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que dans FS19, t'as pas de pailleuse que tu peux mettre à l'arrière du tracteur, enfin en portée bien évidemment, parce qu'il y a le truc en tracté là, mais il n'y a pas de portée, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que c'est vraiment ça que... Bah, je voulais faire ça, quoi, je voulais mettre, tu vois, derrière l'universal et puis aller pailler, mais bah, je pourrais pas, tout simplement, vu que ça n'existe pas derrière le tracteur. Mais bon, c'est du coup, on va utiliser la mélangeuse, on va pas se compliquer la vie. On va pas se compliquer la vie, plus que ça. Appeler... Voilà. On est déjà à 8 minutes de vidéo presque, ça passe extrêmement vite, j'avais pas l'impression. Voilà. Nickel. Du coup, on va leur en donner deux des rations totales mélangées, comme j'avais déjà dit. Puis après, on va leur donner de l'ancillage, et puis on va pailler, puis ça va être fini, parce que je vais avoir à faire un petit peu bah, toutes les étapes qu'il y a à faire. Hein. Puis on va essayer de ne pas monter sur le silo, ce serait encore mieux. Voilà. Ok, bon, on roule un peu vite, mais c'est parce qu'on peut le faire. Alors également, j'ai fait une grosse erreur, parce que là, vous voyez, il y a un tout petit peu de fumier, mais j'avais beaucoup plus de fumier à l'intérieur, parce que oui, on peut curer le fumier sur, sur cette map-là. Et ça, je le sais grâce à un abonné. Non, tu vas me vider ça de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est un truc que je sais grâce à un abonné. Ça, c'est moi ou ça remplit pas dans l'eau? Mais non, ça remplit pas. Et bah nickel. Yes, ça fait plaisir les gars. Quand ça charge pas là-dedans. Ou alors il en faut vraiment beaucoup pour que ça commence à se voir, je sais pas. Bah là dans les... Ouais là ça se met pour prendre. Bref, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Mais bon, on va faire ça intelligemment pour éviter de pas se le taper. Voilà, du coup, pour le fumier, j'ai fait une grosse couille. Si on peut dire ça comme ça. Même si c'est un petit peu mal poli de le dire comme ça. J'ai tout simplement... Bon, c'est quoi, on va augmenter le son vite fait. Voilà. J'ai tout simplement... Bah, en fait, j'ai utilisé un balai. Voilà, j'ai utilisé un balai. Et du coup, bah en fait, ce que je savais pas, c'est que le balai, enfin, moi au début, je croyais que le balai, bah il balaye, tu vois, genre il repousse. Mais alors, non, pas du tout. Le balai, il te fait disparaître en vrai. C'est. Bien.
pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. En vrai, le balai, il balaye pas, il fait tout disparaître. Du coup, j'ai fait une grosse, j'ai fait de la grosse merde. Ce qui a fait que bah, j'ai perdu. Putain, j'aurais pu remplir mon godet quand même. J'ai perdu pas mal de fumier, genre autour de 6 tonnes, voire même plus de fumier. Donc, j'ai un petit peu le seum, on va pas se le cacher. Et alors là, je vais faire ça un peu intelligemment. Oula, oula, oula. On va se mettre en suite cette cochonnerie là. On baisse moi ça, voilà, ça passe. Yay. T'as une fois il est hyper sensible et l'autre fois il est pas sensible du tout le chargeur. Incroyable. Incroyable mais vrai. Enfin bref. Alors là, hop, allez, on va remettre un petit peu de tout ça. Un petit peu d'anciage. Voilà. Nickel. Vas-y, roule. On va mettre de l'ensilage encore un petit peu dans la benne. Et puis après, dans la benne, là, mais on veut plutôt. Voilà. Après, on va bah, donner de l'ensilage tout court. Je vais donner 2 ou 3 godets de décideuse. Dans. Bah. D'ensilage plutôt. Je vais y arriver. Puis bah, après, on va s'occuper de la paille. Et puis après, bah, on verra s'il reste encore un peu de temps. On va redonner de la flotte ou un truc. Voilà. Après, on verra bien s'il reste du temps. Déjà, il faut qu'il reste du temps. Hein. Ça se trouve, la vidéo va faire une demi-heure. On est déjà à plus de 10 minutes de vidéo, ça passe extrêmement vite. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu. Je me presse un petit peu à faire tout ça. Je fais ça un petit peu rapidement pour essayer bah, de vous montrer un maximum de choses dans la vidéo. Hein, ce qui est logique, je trouve. Voilà. Ce qui est logique, je trouve. Là. Oula. Voilà, bon, moi je ferme pas le godet parce que je suis un gros flemmard, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Nickel. Bon, allez hop. Tiens, on va alors vider dans le silo. Voilà. Allez, ferme le godet. Le godet, on va le laisser là. Voilà, on va vite fait attacher l'autre godet avant d'aller vider. Voilà. Du coup, je vais vous montrer l'autre. Bah, le balai juste après. Voilà. Vas-y, baisse. Baisse la masse à l'arrière également. Ouais, vous savez quoi. Vu que j'étais en train de me presser, bah, j'ai envie de dire non, j'ai pas envie de me presser pour tourner la vidéo. Enfin, pour vous montrer un maximum de choses. Je vais prendre mon temps. Vous savez quoi, je vais vraiment prendre mon temps. Et puis, bah, au pire, si la vidéo elle sera un peu plus longue, bah, elle sera plus longue et puis c'est fini. Hein. Je vais pas me compliquer la vie avec ça. Alors là du coup voilà, là il va falloir faire une petite marche arrière. Bon, du coup ouais, je vais quand même pouvoir vous le montrer vite fait avec le mini peu de fumier que j'ai hein, très clairement. Merde. Bon bref, du coup je vais quand même pouvoir vous le montrer parce que là si vous regardez 75, alors j'avais 6600 et des mouettes. Bon, j'ai vraiment presque plus rien. Pardon, ça c'est le 129, pardon, pour le fumier. Donc il me reste vraiment presque plus rien. Par contre, ça, je comprends vraiment pas pourquoi... Ah, si, c'est bon, ça commence. Ah ouais, c'est vraiment qu'il faut un maximum pour que ça commence à apparaître, d'accord. Ok, bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. Bon, bref, alors, du coup, toi, je suis obligé de te reculer parce que si... Merde, si j'ai un clé décideuse, bah, je vais avoir besoin d'un petit peu de place quand même. Voilà, vas-y, recule, m'amène. Bon, je sais, t'as une porte derrière, mais... Voilà, enfin bref, alors du coup, ouais, la paille va leur en falloir aussi, ouais. Alors, on va remonter dans le petit massif Ferguson, oui petit, putain c'est vraiment, à chaque fois que je passe à côté de ce tracteur, pardon, je me dis, il faut vraiment que je refasse de la paille, enfin de la paille, il faut vraiment que j'aille ressemer un petit peu là, parce qu'il va me falloir de la paille, ah merde, d'accord, il s'est resté accroché, d'accord, alors, du coup, là, on va mettre ça, à mon côté gauche, ouais. Il y a moyen de... Non, il n'y a pas moyen de l'activer, ok. Alors, techniquement, tu... C'est la première fois que j'essaye au cas où, hein, donc techniquement, tu viens juste comme ça, tu fais genre c'est un godet. Non, donc il y a presque 2800 dedans, ok. Les... Tu vas chez les vaches, et normalement, tu vas juste appuyer sur I, et puis ça va décharger, hein. Dans toute la logique de la chose... Voilà, on a
Seul petit problème, c'est que là, il y a la putain de barrière, je suis désolé. Enfin, barrière. Putain de... Bah, de... Je sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs. C'est même pas une barrière. Enfin, il y a le truc, là, qui dérange. Merde. Voilà. Au niveau de l'animation, c'est plutôt pas mal, hein. Est-ce que le toupie à l'intérieur... Ouais, ça tourne, ouais. Enfin, le toupie, n'importe quoi. Au moins, ça, ça se défait, ouais. Donc, il va vraiment falloir pas mal. Bon, là, je le fais juste pour le côté, bah... style de la vidéo, hein, je vous dis. Parce que sinon, je vais prendre mon... Bah, tout simplement ma mélangeuse, et puis allez hop, j'y vais à la mélangeuse. Là, c'est vraiment pour la vidéo, voilà, pour changer un petit peu. Donc, tout ce qui est, tous les godets que vous voyez, par exemple, là, le godet le bleu, là, dont je me suis servi, là, celui qui est par terre, et le godet des silver et tout ça, ça fait partie d'un pack. Voilà, ça fait partie d'un pack qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a même un pickbot, etc. Enfin, non, il n'y a pas de pickbot, il n'y a pas de pickbot, mais par contre, il y a un balai, il y a plein de trucs. Franchement, c'est super pratique. Et ça change de d'habitude, hein, on va pas se le cacher. Okay. Donc on va encore en donner deux ou trois des godets. Enfin un ou deux plutôt, ça serait déjà pas mal. Okay. Ça serait déjà pas mal parce qu'après il faut quand même qu'on aille les pailler. Voilà. Il va quand même falloir qu'on aille les pailler. Puis je vais vous montrer aussi pour le balai comment ça fonctionne. Enfin voilà. Okay. Et là je suis en train de me dire qu'on est déjà à l'épisode 7 quand même. La vache. Tu vois, et ça, quand ça m'arrive aussi, tu vois, par exemple... Je me dis toujours, ouais, mes vidéos sont organisées, etc. Mais alors, pas du tout, parce que là, je savais pas trop de quoi parler avant de lancer la vidéo. Hein. Très clairement, il y a des moments où je sais pas de quoi parler, mais j'ai quand même envie de tourner. Et du coup, je tourne, c'est clair, mais voilà. Je tourne, mais je sais pas de quoi je vais parler dans la vidéo. Et j'ai l'impression que par moments, ça fait des vidéos un petit peu nulles, comme celle-là, où bah, tu racontes de tout, sauf. Des choses intéressantes, tu vois, tu dis juste je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis basta. Tu vois, c'est pas vraiment l'impression qu'on dit un truc super intéressant, et puis là j'ai vraiment l'impression d'être pressé, je sais pas. J'espère qu'au moins ça se ressent pas dans la vidéo. J'espère, parce que bon, si ça se ressent, c'est un petit peu con, quoi, on va dire. Okay. Est-ce que si je le lève un peu plus haut, ça passe? Ah, bah voilà, tu vois, là ça passe mieux. Bon, bah, du coup, on va encore mettre un autre godet, puis on va plutôt pas mal, ouais. On va être autour des 10 000. Ce sera déjà pas mal, on va dire. Ouais, on sera autour des, un petit peu au-dessus de 10 000. On sera déjà plutôt pas mal pour, bah, pour avoir fait ça en vidéo, hein, on va dire. Enfin, bref. Ouais, du coup, là, une fois que j'aurai vidé ce silo-là, là, que je suis en train de vider, le silo d'ancillage, bien évidemment, va falloir que j'enchaîne avec... ouais, va falloir que je sème du maïs, moi. À moins que... Non, j'en ai déjà du maïs. Ouais, mais je vais ressemer parce qu'il faut du maïs grain, etc. Enfin, bref. Vous connaissez la chanson. Parce que, attendez, je vais juste regarder vite fait pour le maïs. Maïs. Il y a le 62, le 34 et le 3. Oui, il y en a déjà 3. Je vais en mettre 2 ou 3 autres en maïs. Parce qu'il y en a qui vont être en ancillage et d'autres qui vont être en grain. Donc voilà, quoi. Je vais en mettre encore quelques-uns en maïs. Et puis après, bah, je ne mets pas mettre de blé, d'orge, de colza, d'avoine. Tournesol, je vais pas en faire beaucoup. Du coton, j'en ferai pas, hein. Le coton que j'ai, bah, ça va être déchaumé, hein, je le dis directement, parce que le coton, c'est une culture, je m'en contrefiche. J'ai directement dit, le coton, ils auraient pu faire un truc plus intéressant. Je te le dis, hein, ils auraient pu faire du lin, par exemple, parce que le coton, bah, c'est... Oui, c'est une nouvelle culture, mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Moi, je regarde pas ça en mode, c'est une nouvelle culture, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette culture, tu vois, parce que, bon, oui, d'accord, tu le récoltes et en forme de ballot, c'est une autre machine, etc., mais c'est tout le temps la même chose, tu sèmes, tu traites, tu récoltes, tu vends, tu fais rien d'autre. Parce que si, par exemple, tu prends l'exemple de... Si, par exemple, tu vas prendre le lin, bah, il faut le semer, c'est clair, après, il faut l'arracher, mais après, il faut le retourner, après, tu vois, il y a déjà une activité de plus, c'est un petit peu plus complexe, et c'est plus intéressant, je trouve, tu vois, c'est pas juste, ouais, t'arrives avec ta machine, tu récoltes, tu vends, et puis c'est fini, quoi, non. Alors ça, par contre, ça, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors, toi, je vais t'éteindre, maintenant, on va monter vite fait dans l'universal, le voilà. Vas-y, démarre. Démarre-moi ça, mon petit coco. C'est parti. Putain, et la fumée, mec, à l'intérieur du bâtiment, c'est pas la meilleure des choses, hein. Voilà. Merde. Nickel. Voilà. On est parti.
plaît. C'est parti, Michel. Donc là, je vais essayer de m'installer à peu près correctement. On va se mettre comme ça, voilà. Une tombe de te dire la wall again, mais pas trop quand même. Vas-y, active-moi ça. On est pas mal. On va monter. Enfin, remonter du coup dans le massé. On va mettre 4 bottes. Ouais, 4 bottes, ça va être pas mal. Donc, du coup, également des bottes de paille. Il faut que je refasse d'ailleurs. C'est pour ça que je disais qu'il faut que je sème du blé, etc. Pour la simple et bonne raison que bah, là j'en ai. Merde, j'en ai que 13 parce que j'ai récolté qu'un seul champ. Là j'ai assez. Ouais, j'ai récolté qu'un seul champ parce que bah il n'y avait pas forcément des champs qui étaient prêts ni quoi que ce soit. De base, hein, je vous dis. Enfin, je veux dire de base. Putain, bien évidemment, c'est pile là où tu vois pas. Bref. Voilà. Alors, on va pouvoir encore mettre un. Ça va être bon. Voilà, on va encore en mettre un ballot dedans. Après, on va donner une deuxième machine de paille. Et puis, ça va être la fin de la vidéo. Parce que, mine de rien, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Merde, c'est là qu'il me faut. Mine de rien, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Vas-y, pause. Nickel. Vas-y, monte. Voilà. Hop là. On va aller donner ça aux petites vavaches. Ça va taper. On va essayer de faire un minimum attention. Au coup, également, le plateau, je savais pas où le foutre. Hein. Je vous le dis, le plateau, je savais pas où le foutre. J'ai vu cet endroit-là, je me suis dit, bon, bah écoute, hein, allez, hop, on va le foutre là. Hop là. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu exagéré en termes d'animaux là, parce que 30 vaches ça va être un peu chiant à gérer. Ouais, ce que je vais faire c'est que je vais passer par ici. Pour faire un côté un peu plus réaliste dans le sens où bah... Je dis pas que les vaches elles vont pas s'échapper. J'ai jamais dit ça. Putain mais je suis bête, j'aurais pu passer par là aussi. Enfin bref. Mais tout simplement, oula. Genre elles vont avoir plus de mal en quelque sorte à partir. La vache, ce qu'elle vient de faire. Ce qu'elle vient de faire, la vache. Ah, c'était génial. Génial, génial, génial. Alors, au niveau des vaches, de la paille, bah, on est plutôt pas mal. Hein. On est à 20 000. Bah, on est pas mal pour la paille. On va encore mettre 20 000, mais on est à 3 quarts. On va encore mettre un ballot et puis on va être pas mal. Un ou deux ballots. Bon allez hop, un ballot. Oh ça me... Merde, ça me fait de nouveau ce bug là. Genre il me dit qu'il y a rien devant mais... Il me dit qu'il y a encore de la paille mais il y a 0%, il y a 0 litre, il y a rien. Il y a la limite, qu'est-ce que je peux faire? Merde. Qu'est-ce que je peux faire à la limite? C'est fou ça comme ça. Voilà. Et on va mettre directement les deux ballots de paille comme ça dedans. Comme ça, on gagne du temps. Enfin, j'espère. Hein. Après, qui ne tente à rien, comme on dit. Voilà. Je recule. On va mieux s'y prendre. Voilà. Du coup, il me restait ouais, 8 ballots là. 7-8 ballots. C'est pas forcément beaucoup. Je suis pas sûr d'avoir assez. Hein. Non, non. Enfin là pour le moment j'en ai assez quoi parce que bon j'ai pas spécialement besoin de plus de ballots que ça. Play. Donc le petit pickbot va faire comme tout à l'heure, va le planter dans le ballot. Voilà. Play. On va éteindre le petit tracteur. Putain je suis bloqué de nouveau. Voilà. Play. Du coup ici la barrière on va pouvoir la fermer. Ouais donc on peut dire que c'est quand même un petit peu un gain de temps parce que là hop tu vois tu débarques, petite marche arrière, ça passe crème. Et voilà. Merde. Pourquoi toutes mes idées tombent à l'eau comme ça? Ça se fait pas, merde. Hop là, voilà, donc on va donner ça, on va ranger le tracteur ou. À la limite ce qu'on va encore faire, c'est qu'on va leur donner de l'ensilage aux vaches. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Parce qu'on est déjà presque à 25 minutes de vidéo. Donc j'ai vraiment bien fait de me presser comme ça. Ouais, ça va m'énerver ça par contre.
Ça passe. Mais oui, ça passe. C'est dans la tête que ça passe pas. Voilà. Et... alors là, on va devoir refermer la barrière. Voilà. Voilà, du coup là, on va redonner un petit peu de d'ensilage, hein, simplement. On va redonner de l'ensilage. Tu te sentais un flemmard comme moi, tu y vas comme ça, et puis c'est fini. Voilà. Nickel. Alors maintenant, faut qu'on retrouve le massé, il doit être là. Oui. Là, voilà. Sinon, vraiment, j'espère que ça vous fait plaisir que... oula, que, bah, que je fasse une vidéo sur le... sur le... merde. Sur les vaches, voilà, sur les animaux. Du coup, également, je suis désolé si dans cette vidéo-là, bah, j'ai pas vraiment parlé ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment, je... parce que bon, on est d'accord, hein, pas toutes les vidéos peuvent être de la même qualité. Si on peut dire ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je vous montre aussi de... oh, puis merde, écoutez. La vidéo sera plus longue parce qu'il faut... je vous avais promis que... bah, je vous montre le... le balai, là aussi, en fin de vidéo. Oula. Du coup, je vais vous le montrer. Au pire, tant pis si la vidéo fera une demi-heure. C'est pas bien grave. Ou voire plus, hein, j'en sais rien. Mais au moins, vous avez vu bah, comment faut faire. Hein. Bon, même si vous avez déjà vu ça, je sais pas combien de fois chez d'autres youtubeurs. Hein. Mais bon. Moi, je fais pas forcément ça très souvent en vidéo. Hein, genre, juste m'occuper des animaux. J'ai déjà fait ça en vidéo, mais généralement, je m'occupe plus des champs que des animaux. Donc, bah, pour changer, écoutez. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Putain, j'ai vraiment galéré pendant je sais pas combien de temps pour remplir cette machine. Hein. Quoique, ça se remplit assez vite quand même. Hein. Attends, elle fait combien cette machine? Elle fait 16 tonnes, je crois. 16 000 litres, je crois. Non ouais. Elle est où la machine? Elle est où? 16 000 litres. Et donc en gros il me faut 9 godets, 8-9 godets pour remplir. Ouais bon, je suis pas sorti de la merde. Hein. Mais putain, eh, on aura... oula, le silo il va avoir pris un sale coup dans la gueule, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Hein. Hop là, il va avoir pris un sale coup dans la gueule. Okay. Voilà. Enfin bref. Putain, là je suis vraiment en train de me dire que la vidéo elle est pas ouf. Mais le truc en fait c'est que ça me fait... ça me fait chier de pas la mettre en ligne parce que c'est, je fais pas ça souvent et puis en soi bah elle est pas si dégueulasse que ça. Mais en fait le seul truc c'est que oula, j'ai juste pas forcément parlé et puis j'étais un petit peu plus pressé que d'habitude. C'est clair hein, j'étais vraiment en mode ok on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors qu'en vrai non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, il faut vraiment rester tranquille, tranquille peinard. Et mais le truc c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça vite et mal fait aussi genre la vidéo. Enfin ce n'est qu'une impression, ça se trouve bah, y a des gens qui aiment bien, mais je crois qu'en général ça va moins plaire. Voilà. Je crois qu'en termes général ça va moins plaire. Après bon, écoute, la vidéo fera moins de vues, elle fera moins de vues. Écoutez, moi ça me dérange. C'est pas que ça me dérange pas, mais bon, au bout d'un moment, tôt ou tard j'aurais fait cette vidéo là et puis je vois pas comment j'aurais pu la faire autrement, parce que si la vidéo elle est trop longue, bah franchement. Ça sert un petit peu à rien parce que je pourrais même pas la mettre en ligne correctement, tu vois ce que je veux dire. Si c'est pour faire une vidéo d'une heure, ça sert à rien. Bon, après, il y en a qui vont me dire que t'aurais pu la faire en deux parties. Oui, c'est clair, j'aurais pu. Mais oui, c'est clair. Lol. C'est clair que j'aurais pu la faire en deux parties, mais bon. Vu que j'aime bien faire généralement les vidéos en une partie, sauf. Ah oui, c'est bon, c'est plein, ok. Sauf la vidéo sur ETS2. Qui, bah, sera... bah, techniquement, elle est en une partie parce que la deuxième partie sortira jamais. Et pas parce que j'aime pas ETS2 ou j'aime pas le travail ou quoi que ce soit. Juste parce que j'ai très bien vu que, bah... dès que je fais une vidéo sur ETS2, et c'est pas une seule fois, tu vois. Genre, à la rigueur, c'est une seule fois, ça peut arriver. Genre, à la rigueur, tu vois, si ça arrive qu'une seule fois, tu vois, tu dis ça peut arriver, mais... j'ai très bien vu au stade que bah ETS2 ça vous plaît presque pas quoi, très clairement. ETS2 ça vous plaît pratiquement pas, donc je le vois très bien au niveau des statistiques.
Parce que si une vidéo de TS2 fait 10 vues en un jour et que la vidéo d'après, en l'espace d'une heure, elle a déjà fait plus de vues, tu te dis, ok, bon, TS2, c'est pas votre jeu favori. C'est pas vos genres de, enfin, les genres de vidéos que vous aimez voir sur ma chaîne. Enfin bref. Du coup, ouais, sauf cette vidéo-là qui sera en une seule partie, parce que bon, je crois que je ferai plus trop de vidéos sur ETS2, parce que, à vrai dire, si... Merde, entre faire une vidéo sur ETS2 et faire une vidéo sur sur Farming, je préfère largement faire une vidéo sur Farming. Je dis pas que ETS2 c'est un mauvais jeu, pas du tout, ça serait mentir, mais bon, c'est pas vraiment le genre de jeu auquel je jouerais tous les jours, on va dire. Alors là, du coup, on va mettre une seule gueule, un seul coup dans la gueule aux vaches, là, avec l'ensilage. Alors, l'herbe, va falloir que je fauche de l'herbe, pardon. Plaît. Du coup là on va attendre que ça se vide. Puis on va... Putain, bien sûr il est obligé de me dire que j'ai de la paille. Enfin bref, du coup, hop, ça on va dire c'est fait. On va fermer cette porte là. On va remonter dans le Massé Ferguson et puis je vais vous montrer le balai. Enfin l'espèce de balai qui fait tout disparaître en vrai. Je le fais sur le fumier parce que bon, j'ai rien d'autre sur quoi le faire. Pardon. Donc, pour le... Voilà. Donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit, mais tout ça c'est un pack, hein, au cas où. Donc, là, hop, vous attachez le godet gris, donc celui-là. Vous attachez ce godet-là, et puis là, vous avez un... Attendez, je vais vous montrer. Vous avez un balai comme ça. Donc, il est en 2 et en 3 mètres. Moi, je l'ai pris en 2 mètres parce que c'est rien d'avoir un truc de 50 mètres de large. Enfin, bref. Du coup, vous vous approchez. Bon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour faire le côté plus réaliste. Voilà. C'est à peu près bien attaché. Là vous l'attachez et vous avez le petit balai à l'avant du godet, voilà. Du coup voilà, bon, rien de spécial, voilà, il tombe pas ni rien. Il est plutôt bien fait en plus, hein, il est pas mal au niveau texture, etc. Oui, je dis ça pour combler le temps. Non, je rigole. Alors là du coup, ouais, on va aller là parce que limite j'ai encore plus de fumier dehors que dedans. Merde, mais bien sûr ça passe pas. Donc là, tout simplement, ce que vous faites, c'est tout con. Vous baissez le godet, vous posez ça par terre, vous avancez, et comme vous allez pouvoir voir, voilà, ça fait tout disparaître. Et voilà. Et après, ça sera propre, tout simplement. Et je crois que j'ai acheté ça aussi sur la Belgique profonde. Mais là, plutôt pratique. Donc voilà, du coup, c'est vraiment super pratique, c'est super bien foutu. En plus, je vais même en profiter pour vous montrer tout ça dans le magasin, parce qu'on n'est plus à ça près au niveau du temps. Donc voilà, donc vous avez plusieurs godets, donc vous avez ceux-là, les classiques, hein, sans les dents, enfin sans les pinces, là, comme celle-là, j'ai plus de ça avec les dents. Vous avez les godets à fumier, j'appelle ça, donc j'ai pas pris la plus grosse, parce que ça sert à rien. Donc là, vous avez pour les ballons ribanés, enfin pour les ballons en termes général, les décileuses, j'ai pris la petite, hein. Ah non, j'ai pris la grosse, d'accord, ok, et vous avez les godets comme ça, donc j'ai pris ça de mètre pour le balai. Celle-là fait 2m8, ok, donc vous avez ce godet là, enfin ce balai là. Et enfin bref, du coup je vais ranger le matériel et puis on va s'arrêter là-dessus parce que mine de rien on est déjà plus 30 minutes de vidéo, ça passe extrêmement vite. Et ça c'est vraiment un problème qu'il y a quand tu veux t'occuper des animaux, parce que le temps passe extrêmement vite, et en plus de ça, il faut que tu te concentres sur ce que tu fais pour pas que tu fasses de conneries, parce que si par exemple t'es occupé avec tes ballots, bah t'as pas envie de te foutre en l'air, on va dire. Mais... Oh merde. Mais, voilà. Écoute, je vais le mettre à sa place, le tracteur. Je vais le ranger à sa place, oui, je vais en marche arrière, et 22 km/h en marche arrière, c'est chaud quand même. Enfin bref, oula. On va le ranger à sa place. Bah merde. Ah voilà. Bah faudra peut-être que tu éteignes, Michel. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit longue, alors que malgré que ça ne se dit pas, malgré sa durée assez importante, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'elle, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut et non pas vers le bas. Comme je... Bref. Parce que. Laissez un petit like, voilà, laissez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.